Par nos précepteurs. Alors je dirais les appétits, c'est pour la planche, les précepteurs, c'est pour moi. En fait, d'ailleurs, ça n'est pas du tout compliqué. Moi, je pense que c'est très clair. Et ça, il était en Paris avec eux. Et on étudie la Sainte Anne. Nos professeurs, même quand ils avaient l'âge. Il me semble que nous pouvons déjà faire le point d'un certain nombre de questions examinées. L'une me semble être la critique de M. Bourdieu sur la communication. Je vous rappelle que le professeur Mounin a défini le langage par la communication. La critique de M. Bourdieu vise l'idée et l'expression de communication des consciences. En effet, la communication n'est pas une communication des consciences. Ce ne sont pas des consciences qui communiquent, c'est-à-dire des intériorités, des subjectivités, des sujets. Ce sont des personnes engagées dans des situations réelles, dans des pratiques et dans des cultures déterminées. Et si le langage est compris, si ces personnes se comprennent entre elles, c'est parce que le langage est un élément de cette culture, l'expression de cette culture appartenant à un groupe déterminé. L'autre question me semble être la différence qu'on peut introduire entre langage ou parole et code. Lorsque je parle à quelqu'un, je vais lui dire quelque chose, très simplement, et mon interlocuteur comprend mon intention. C'est ce qu'on peut appeler au sens strict langage ou parler ou parole. Or, des objets usuels ou esthétiques ou artistiques, par exemple un verre ou un tableau, en ce sens strict, ne parlent pas. C'est très clair, ça va de soi, ils ne disent rien. Pourtant, il faut les comprendre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir utiliser le verre, s'en servir pour boire, ou goûter le tableau. Or, utiliser un objet usuel ou goûter un tableau, cela n'est possible que dans la mesure où cet objet et ce tableau font partie d'une culture, sont les éléments d'une culture, et ne peuvent être compris qu'à la lumière de cette culture dont ils font partie. Donc, d'une certaine manière, ils demandent eux aussi à être compris, c'est-à-dire déchiffrés. Donc, bien que ce ne soit pas des objets linguistiques, ce ne sont pas non plus des objets bruts, on peut les appeler des objets codés. À partir de ces quelques notions, je crois que nous serions très heureux si vous pouviez répondre à certaines de nos questions. Monsieur Mounin, la première que je voudrais vous poser est celle-ci. Vous semblez avoir quelques réticences à étendre le terme de langage à d'autres domaines que celui de la linguistique. Alors, je voudrais vous demander pourquoi, ou plus simplement et plus directement, de quoi s'occupe la linguistique, ou encore plus directement, que faites-vous? La seconde question, je voudrais la poser à vous, docteur Laplanche. Vous avez dit qu'un symptôme névrotique est une sorte de langage, de discours que tient le malade. Mais vous avez dit également qu'il ne s'adresse à personne. Alors, je voudrais savoir de quel droit vous pouvez parler d'un langage sans communication. Et seconde question que je vous pose également à vous, M. Bourdieu. Lorsque M. Hippolyte vous a demandé hier qui parle, vous avez répondu, docteur Laplanche, ça parle. Et vous, M. Bourdieu, on parle. Je voudrais savoir quelle différence vous faites entre ce ça et ce on. Et enfin, ma dernière question s'adresse, notre dernière question s'adresse à vous, M. Hippolyte. Vous semblez tenir à étendre le terme de langage à d'autres domaines que le domaine linguistique et d'autre part, vous semblez également désirer étendre la technique linguistique à d'autres domaines. Alors la question que je vous pose est celle-ci. Que pensez-vous qu'on puisse gagner et que craignez-vous qu'on puisse perdre dans cette extension? Alors, comme souvent, quand on me pose cette question, j'aimerais dire, non pas tellement et d'abord ce que je fais quand j'enseigne la linguistique ou quand je travaille, dans le domaine linguistique, mais ce que je ne fais pas.
Par exemple, si j'accepte de dire qu'il y a un langage des larmes, un langage du rire, si j'accepte de dire que la peinture est un langage, si j'accepte de dire qu'il y a une grammaire des tableaux de Mondrian, une syntaxe de Picasso, un vocabulaire de Buffet, et que je sois cohérent avec moi-même, je devrais, dans un manuel de linguistique générale, introduire un chapitre sur le rire et les larmes, sur les gestes, un chapitre sur la peinture, etc. Vous voyez donc, c'est important d'expliquer ce que je ne fais pas. Si par exemple, je ne fais pas une série de leçons sur la peinture, quand je parle de linguistique générale, c'est parce que le langage pour nous est quelque chose de bien défini. C'est une façon de communiquer entre les hommes, et les hommes en ont inventé beaucoup. Cette façon de communiquer nous paraît avoir des caractères spécifiques. C'est un code, tous les codes ne sont pas des langages, c'est peut-être une imprudence que nous avons commise dans les 10 dernières années de mettre une équivalence sommaire entre code et langage. C'est un code, le langage. Et ce que nous faisons en linguistique, c'est d'étudier comment fonctionne ce code, et à travers ce fonctionnement, comment il est construit. Et nous nous sommes aperçus, quand je dis nous, c'est un pluriel de majesté, c'est Martinet qui l'a bien mis en lumière, qu'en tant que code, le langage a des propriétés très particulières qu'on ne retrouve pas dans les autres codes et dans les autres moyens de communication entre les hommes. Cette propriété particulière, c'est que c'est ce qui explique sa richesse à la fois et son économie, c'est que c'est un code à deux étages. C'est un code, comme nous disons, articulé deux fois. Et on s'en est aperçu qu'en analysant non pas l'origine du langage tel que nous l'entendons, non pas non plus son histoire, on s'en est aperçu qu'en étudiant son fonctionnement. Enseigner la linguistique générale, c'est enseigner à observer comment fonctionne un code. Et un code est fait avec des unités, c'est donc chercher les unités vraies qui passent dans nos énoncés et voir selon quelles règles nous combinons ces unités. Et alors, nous sommes aperçus que toutes les fois qu'il y a langue naturelle, c'est à ce groupe de phénomènes que nous réservons le nom de langage, nous trouvons d'abord des unités que nous manipulons comme celles d'un code pour construire nos énoncés, des unités qui ont à la fois une forme et un sens. Ce qu'on appelait grossièrement autrefois et assez imprécisément les mots. Ce sont des unités significatives. Et un énoncé est toujours découpable en unités significatives. Et comme dans tous les codes, nous avons la possibilité justement de réutiliser ces unités dans des situations très diverses. Je peux dire j'ai mal à la tête et puis vous vous êtes conduit très mal, par exemple. Voilà deux apparitions de cette même unité signifiante ou significative, mal. Mais on s'est aperçu que la richesse et l'économie de ce code qui nous permet de traiter de milliards d'énoncés, c'est-à-dire de milliards de situations, vient aussi du fait que ces unités ne sont pas insegmentables, elles sont construites elles-mêmes à partir d'un très petit nombre d'unités, qui sont des unités cette fois non significatives, des unités purement distinctives avec lesquelles nous construisons celles qui ont un sens, ce sont les phonèmes. Dans mal, il y a trois phonèmes. Et à partir du moment où Martinet a attiré l'attention sur cette structure du code spécial du code linguistique, il a montré comment ça explique à la fois sa richesse, le fait qu'à la différence des corbeaux, nous disposons non pas de 14 messages distincts, mais de milliards de messages possibles. À partir du moment où il nous a attiré l'attention là-dessus, on a pu essayer de voir pourquoi, par exemple, nous linguistes, nous n'étions pas compétents pour parler de la communication très particulière et je crois certaine qu'il y a entre quelqu'un qui le regarde et un tableau, et même immédiatement entre l'homme qui a peint ce tableau et l'homme qui le regarde. Nous cherchons à voir comment est si la peinture est un code, nous cherchons à voir comment fonctionne ce code. Nous cherchons s'il y a quelles sont les unités, et nous demandons à des gens qui viennent nous poser cette question d'essayer de vérifier si le peintre utilise des unités, si ces unités ont les mêmes propriétés que les nôtres, s'il y a dans un tableau construction à partir d'unités significatives. Et jusqu'à maintenant, il y a peu de gens qui ont travaillé dans ce domaine. Pour l'instant, nous disons prudence, apprenez nos techniques, essayez de voir si avec nos techniques, vous pouvez décrire les problèmes de communication qui vous intéressent, mais ne supposez pas le problème résolu, n'allez pas parler de la grammaire de tel cinéaste et de la syntaxe de tel danseur. Eh bien, monsieur Mounet, je voudrais simplement faire une remarque. Cette remarque vient à un certain nombre de termes que vous avez employés. Vous avez employé les termes de code, de message, d'articulation et de double articulation. Vous avez aussi employé celui d'économie, principe d'économie.
tout ce langage, les linguistes le doivent de leur aveu même. Le langage qui est le nôtre dans notre dialogue. Tout le monde s'est mis à parler code et message depuis hier. Vous le devez aux ingénieurs des communications et aux mathématiciens qui ont essayé d'étudier comment on envoyait un message codé sur une ligne, comment on économisait au maximum les quantités probables ou improbables qui passaient dans ces lignes. Comment on les décodait à l'arrivée? Comment aussi, étant donné les bruits de fond possibles, on était amené à employer des redondants? C'est un mot que vous n'avez pas employé. Eh bien, nous pourrions dire que les ingénieurs des communications, les théoriciens d'une certaine écriture et d'envoi de messages ont inspiré les linguistes et comment, à leur tour, les linguistes, avec tous les problèmes qu'ils rencontrent, posent des questions à ceux qui sont des disciples de Shannon ou de la théorie de l'information. Et vous assimilez la langue, au sens où Saussure distingue la langue de la parole, à la possession interne d'un code. Oui. Et c'est sur ce code que nous parlons. Tout en variant nos messages dans la parole, mais sur ce code. L'assimilation de la langue à un code est certainement extrêmement utile du point de vue analytique, mais elle se heurte à un certain nombre de difficultés dans l'extension du mot par rapport au sens très rigoureux qu'il possède. Eh bien, je dirais que nous savons très bien, et nous savons très bien, le travail que je souhaite montre que nous ne savons pas encore assez bien, que le langage c'est en partie un code, qu'il y a une partie codique, comme on dit dans le langage, mais nous analysons de plus en plus tout ce qui permet à ce code de fonctionner et qui n'est pas résoluble en termes de la théorie de la communication. Par exemple, nous apprenons à analyser des situations. Dans un certain sens, les ingénieurs de télécommunication, on ne devrait pas dire qu'ils codent, ils recodent toujours quelque chose qui a déjà été codé dans la tête des locuteurs. Il n'y a pas de théorie des télécommunications pour expliquer ce qui se passe entre le moment où je décide de parler et ce que je dis. Mais l'ingénieur des communications, il code, oui, parce qu'il prend la parole commune et il la code avec des règles de codage bien définies, bien précises, des règles d'économie, de transmission, de redondance, etc. Mais vous dites qu'il code ce qui a déjà été codé. À ce moment-là, vous réfléchissez le mot code dans un sens plus vaste. Oui, vous m'avez posé une question bien délicate avec ce problème du symptôme que le langage. Je vous ai parlé du symptôme, nous avons parlé incidemment du lapsus, il y aurait aussi le rêve. Prenons le rêve, puisque c'est là-dessus que la psychanalyse a opéré ses découvertes. Eh bien, en quoi le rêve se rapproche-t-il d'un langage? A-t-il des éléments communs avec un langage? D'abord, le rêve était raconté, ou le rêve était écrit. Lorsque Freud analysait ses premiers rêves, il les écrivait. Ensuite, il prenait ses rêves en les découpant en éléments discrets. Là, nous retrouvons quelque chose qui nous ramène tout de même à un langage. Les éléments les plus absurdes du rêve, la couleur d'un fauteuil, la forme d'un cendrier, ces éléments-là étaient pris pour eux-mêmes comme éléments à analyser séparément, de façon discrète. À partir de là, le patient, ou Freud lui-même dans son auto-analyse, déroule toute une série de chaînes qui sont également des chaînes d'association, de langage, chaînes qui se recoupent en certains points, et finalement, dans l'idéal tout au moins, on arrive à une espèce de traduction du rêve, ce qu'on appelle son contenu latent, le fantasme de désir qui est là derrière, qui lui-même peut s'exprimer en une certaine phrase. On retrouve là toute une série de procédés qui ressemblent à des procédés de langage, des procédés que depuis on a renommés, que Freud avait nommés déplacement, condensation. On a compris ensuite que ces procédés pouvaient être rapprochés de figures, de rhétorique, comme la métaphore, la métonymie, d'autres encore, certainement la litote, il y en aurait un bon nombre qu'on retrouverait. Donc des procédés de formation du symptôme ou du rêve qui le rapprochent d'un langage. Également le passage par le langage. Un rêve d'une langue étrangère ne peut pas être parfaitement analysé sans qu'on donne au lecteur des explications sur la langue allemande, par exemple. Supposez que dans un rêve, c'est exactement le problème du rébus, supposez que dans un rêve, nous ayons un abbé qui se présente, cet abbé peut très bien représenter mon ami, disons, André Benoît.
Pourquoi André Benoît? Parce que les initiales de son nom sont A et B, et que AB, ça fait un AB. C'est comme ça que ça se passe. Donc, déjà dans l'élément synchronique, dans l'élément du présent, le symptôme, le rêve, apparaissent comme un langage, même s'ils ne se sont pas donnés au départ pour communiquer. Mais alors là, je voudrais utiliser une dimension qui est la dimension historique, parce que nous nous plaçons non seulement dans la synchronie, mais évidemment dans une certaine histoire. Si il n'y a pas de communication directement au moment où le symptôme est forgé ou présenté, au moment où le rêve est fait, il y a eu communication, et c'est cette communication ancienne de l'enfance, c'est ce dialogue avec les parents, ce sont ces fantasmes des parents, eux-mêmes exprimés parfois par des médiations qui ne sont pas forcément langagières, mais qui ramènent toujours à des phrases, à des langages. C'est tout cela que nous retrouvons. Et à travers cela, à travers ce symptôme, nous retrouvons quelque chose qui a été un dialogue de l'enfant avec ses parents et dans lequel s'exprimait une certaine demande. J'ai employé le terme de désir tout à l'heure, le symptôme comme réalisation de désir, accomplissement de désir, ce désir nous renvoie à une certaine demande, et demande c'est vraiment quelque chose qui s'exprime dans un certain code, une certaine demande du passé. Prenons maintenant la dimension du futur, ou tout au moins une dimension prospective, ce patient, cet homme, pas forcément un malade, cet homme vient en psychanalyse. À ce moment-là, peu à peu, ses rêves se centrent sur sa psychanalyse. Il apporte ses rêves, il les dit, il en parle. Le psychanalyste joue un rôle dans le rêve. Le symptôme également se met à parler, se met à être repris dans le mouvement de la cure. À ce moment-là, il redevient demande, il redevient parole, en effet, communication adressée à quelqu'un. Nous avons donc entre deux niveaux de demande, la demande infantile exprimée dans un langage souvent régressif, exprimée dans certains langages qui nous renvoient à des habitudes de l'enfant, à certains de ses comportements corporels. Entre cette demande et la demande dans la cure psychanalytique, nous avons un stade qui est celui d'une parole figée, fermée sur elle-même, qui ne s'adresse plus à personne. Oui, mais si je vous comprends bien, le symptôme serait en quelque sorte encadré par deux situations sociales. D'une part, la situation dans laquelle il s'est constitué, enfin, et d'autre part, la situation dans laquelle il va se résoudre, enfin, la situation familiale, enfin, dans laquelle il s'est constitué, qui était socialement qualifiée, et d'autre part, la situation sociale dans laquelle il va se résoudre, ou tenter de se résoudre, à savoir celle du dialogue entre le patient et le psychanalyste. Et est-ce qu'il ne doit pas, enfin, à sa genèse sociale, un certain nombre de caractéristiques? Oui, je pense par exemple au rôle que joue le langage dans tous ces phénomènes. Le rêve utilise un matériel verbal, c'est-à-dire un dépôt de signification toute constituée, toute faite. Enfin, et à l'intérieur de ce dépôt de signification, il y a des choix culturels plus ou moins arbitraires qui sont engagés. De même, le rêve qui se raconte utilise un certain matériel verbal, le psychanalyste qui parle ou ne parle pas, enfin utilise ou n'utilise pas un certain matériel verbal. Bref, je pense par exemple à une situation que j'ai observée en Kabylie. Tout le système culturel est dominé par l'opposition entre le masculin et le féminin, opposition qui se monnaie sous forme d'opposition secondaire, telle que l'opposition entre le droit et le courbe, entre le droit et le gauche, etc. Et par exemple, dès la prime enfance, la famille, enfin, opère une sorte de division des tâches, enfin, et en particulier de division des manières de se rapporter à son propre corps. Un garçon ayant à se tenir droit, ce qui est l'affaire d'un homme, une fille ayant à se tenir courbe, ce qui est l'affaire d'une femme, enfin qui ne doit pas regarder les hommes en face, etc. Bon. Et il me semble que le langage est une des médiations fondamentales, enfin, du rapport que les individus entretiennent avec leur propre corps. De même que le langage, enfin, dans l'hypothèse de Worf, par exemple, est une des médiations du rapport que l'homme entretient avec le monde extérieur, de même, je pense que le langage est une des médiations du rapport que l'individu entretient avec son corps. Il a une sorte de corps déjà qualifié par le langage dans lequel il le nomme, et je pense que ceci peut-être intervient
dans cette expérience que l'individu, dans l'enfance, fait de son propre corps et aussi du corps des autres, qui est en question. Alors ma question est celle du langage du rêve. Ce langage, le psychanalyste ne peut le connaître que s'il est lui-même exprimé dans un autre langage. Alors mon problème est celui de l'interférence précisément entre ces deux langages. Oui, vous posez là une question tout à fait intéressante et importante. Il y a en effet une interférence très grande entre ces deux langages. Le langage de des images, le rêve tel que nous le vivons, évidemment, nous ne connaissons que individuellement. Nous ne pouvons le communiquer qu'en le racontant. Mais ce langage, ce récit du rêve lui-même est dans des relations tout à fait intimes avec la formation des images du rêve. En d'autres termes, certains ponts verbaux, certains moyens de passage d'une expression à une autre qui sont utilisés dans le discours d'un patient, nous supposons et nous vérifions qu'elles ont déjà été utilisées, que ces ponts ont déjà été utilisés dans la formation des images du rêve. Par exemple, je vous ai donné tout à l'heure cet exemple de l'abbé. Eh bien, c'est justement un passage de ce genre. Mais vous avez des phénomènes encore plus curieux. Si quelqu'un vous raconte un rêve et vous dit « ce rêve est flou » ou « ce rêve est gris », par exemple, vous pensez que c'est quelque chose qui est dit sur le rêve. En réalité, vous avez à le réintroduire, cette parole, vous avez à la réintroduire comme un élément de signification à l'intérieur du rêve. En d'autres termes, « ce rêve est gris » pourra vous renvoyer, par exemple, à quelqu'un qui était gris, qui était ivre et que vous avez rencontré la veille. Oui, vous avez dit il y a quelques instants, docteur, que le symptôme et le rêve sont des désirs de dialogue, un désir qui serait compris entre un dialogue de la jeunesse qui a été interrompu et le dialogue auquel le psychanalyste va essayer de donner un sens. Et la question que je poserai, c'est dans quelle mesure, alors que la cure psychanalytique doit donner un sens à ce dialogue, dans quelle mesure est-ce vraiment un langage? Oui, je me suis peut-être exprimé un peu différemment. Je n'ai pas dit du tout que le symptôme était un désir de dialogue. C'est une réalisation d'un désir, mais d'un désir au sens le plus physique, éventuellement, et vous savez que c'est éventuellement le plus sexuel du terme. Simplement, j'ai essayé de resituer ce désir entre deux communications ou entre deux dialogues. Dialogue étant évidemment pas seulement entre deux personnes, mais entre plusieurs, pas forcément entre deux. Eh bien, c'est simplement cela, n'est-ce pas? J'ai essayé de montrer que si nous prenons une histoire, ce qui apparaît comme étant figé, comme réalisation et comme plaisir, parce qu'après tout le symptôme, nous considérons que le malade y trouve sa satisfaction, ce qui est plaisir, figé dans une satisfaction, ce va se réouvrir dans un dialogue. C'est simplement cela. Je n'ai pas très bien vu le sens de l'expérience que vous avez faite dans le cabinet. Est-ce que vous voulez dire que le contenu des mots, suivant leur genre, influe sur la distinction naturelle entre homme et femme? Donc, ce que je veux dire, c'est que je suppose que le langage, dans la mesure où il participe lui-même d'une culture, véhicule des choix que personne ne fait, mais qui sont faits pour chacun, par la culture, et que cet ensemble de choix s'interpose entre le sujet et le sujet lui-même. C'est-à-dire que dans le simple fait de parler un certain langage, dans le simple fait de participer d'une certaine culture, de se tenir debout d'une certaine façon, de communiquer avec autrui selon certaines règles, l'individu se trouve objectivement engagé dans des choix qu'il n'a pas faits, qui sont déjà faits pour lui. Et par exemple, les choix les plus fondamentaux qui concernent la posture, enfin, qui concernent la manière de communiquer avec autrui, etc., tous ces choix sont déjà proposés à l'individu par sa culture et très souvent ils lui sont techniquement inculqués dès l'enfance. Bon, par exemple, une dimension fondamentale, je pense, pour le psychanalyste, comme la dimension de la verticalité, bon, cette dimension est socialement qualifiée.
ce n'est pas du tout une dimension indifférente. Enfin, on peut dire que certaines civilisations se bâtissent tout entières autour de l'opposition entre le haut et le bas. Bon, par exemple, je pense que si on avait à résumer la civilisation kabyle d'un mot, on dirait, ou de deux mots, on dirait haut et bas. Et en fait, un homme qui se respecte, c'est un homme qui regarde en face, c'est un homme qui regarde les yeux dans les yeux, qui regarde vers le haut. Bon, une femme qui se respecte est une femme qui regarde vers le bas. Bon, et en fait, de la même façon, on voit du même coup que la chute, a un sens très important, enfin socialement qualifié, que l'ascension a un sens très important. Et par exemple, pour les Kabyles, la dimension géographique royale, c'est la dimension, c'est la direction est-ouest, directement ouest-est. L'ouest étant le féminin, le bas, l'inférieur, l'humide, etc. L'est étant le sec, le triomphant, le beau, le blanc, etc. Bon. Et un homme qui accomplit sa vie d'homme est un homme qui fait face à l'Est. Et le mot, par exemple, par lequel les Kabyles disent être un homme d'honneur et faire face à l'Est est le même. Il y a là donc un arsenal de significations arbitraires avec lesquelles l'individu doit compter et dans lesquelles il structure ses expériences les plus profondes, à commencer par l'expérience, je crois, capitale, à savoir l'expérience de son propre corps. Tout à l'heure, madame, vous avez dit que ce n'était pas un sujet qui parlait, mais c'était une personne. Alors, on conçoit très bien théoriquement ce qu'est une personne. C'est une sorte de nœud, un carrefour de détermination. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça représente de dire que dans le langage, c'est une personne qui parle et pas un sujet? J'ai voulu dire ceci, en prenant le mot sujet, qui n'est d'ailleurs pas tellement bon. J'ai voulu distinguer l'idée d'intériorité, vous voyez, de communication par les consciences, par quelque chose qui serait une profondeur, un intérieur. C'est ça que j'appelais subjectivité au sujet. J'ai voulu l'opposer à une personne complète, c'est-à-dire qui a une pratique, qui a une action, qui a une situation et une culture. Dans la série animée par Madame Dina Dreyfus, inspectrice de l'Académie de Paris, assistée par Alain Badiou, Marie-Hélène Lavalard, Camille Pernaud, Pierre Trottignon, c'était la troisième émission sur le langage, prise de vue à l'American Center for Students and Artists in Paris. Image, Georges Meunier et Daniel Sarade. Son, Georges Dadoun. Script, Marie-Vonne Blais. Montage, Josette Jourdan. Assistant réalisateur, Jean-Jacques Chacmendès. Réalisation, Jean Fléchet. C'est repris en plein temps.